À l'heure de la bonne nouvelle. La question que nous avons adressée aux gens cette semaine lors de notre sondage est, selon vous, quelle est la plus grande transformation que l'être humain ait besoin? L'ouverture d'esprit, compréhension des autres. Le monde change leurs principes premièrement, s'arrêter à qu'est-ce qui arrive, penser à la future génération. Nous, on est rendu déjà assez avancé, mais je pense que c'est ça, moi. Mais ça dépend des dirigeants des pays. Parce que le monde, on suit, on est tous suiveux de qu'est-ce qui se passe dans le monde, les dirigeants. L'homme est bourré de ressentiments, de vengeance, de l'orgueil, c'est fort, hein? L'orgueil, c'est maman, hein? On sait ça, hein? Bonjour François. Bonjour Valérie. Ce que je constate dans le Vox Pop, c'est que la plupart des gens désirent un changement. On a certaines personnes qui affirment que ça devrait s'opérer à l'intérieur du cœur, alors que d'autres disent que ça devrait provenir de l'extérieur. Il y a une vérité entre les deux, et la Bible dit que c'est de l'intérieur du cœur que le problème est. C'est le cœur de l'homme qui est le cœur du problème, on pourrait dire. Et malheureusement, on a tendance à chercher à droite, à gauche. Il y en a qui cherchent dans la philosophie, il y en a qui cherchent dans les religions. Il y a toutes sortes d'endroits où on peut aller, finalement. Mais moi, j'aimerais encourager nos téléspectateurs d'aller vers la Bible, parce que probablement, vous avez une Bible chez vous, un Nouveau Testament, tout le moins, et que cette Bible-là, ce Nouveau Testament-là, c'est la réponse. Et c'est là que les gens devraient chercher, parce que c'est là la réponse. Bien, merci, François. On aimerait vous entendre à ce sujet. Alors, pour ce faire, n'hésitez pas à communiquer avec nous en nous écrivant, par exemple, à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866-509-1319, ou encore par courriel à info@hbn.ca.